Je m'appelle Judith Lucier, je suis journaliste et c'est pas mon métier, mais je suis aussi féministe. Alors, je vais poser une question qui est dans ce bol. Woman est un film documentaire mettant en lumière un éventail de 2500 portraits de femmes originaires de 50 pays différents. Me siento una mujer. Do mukobwa ndo mugore wa gaciro. Simple, complicado. I'm a happy, strong, crazy woman. Ako ay isang matiisin na babae. Uma mulher atrevida. Valsoaste mi kono. Tempo. Dynamique. Fierce. Seule. Qu'est-ce que signifie être femme pour vous? Qu'est-ce que signifie être féministe pour vous? Être femme, c'est quelque chose qui est c'est une conception qui est en constante évolution puis qui est tellement différente pour chaque femme. Puis être féministe, en fait, c'est de vouloir l'égalité pour les femmes et les hommes, de reconnaître que cette égalité-là n'est pas encore atteinte puis de tout faire pour l'atteindre éventuellement. Même si au Québec, on s'est doté de lois contre la discrimination, puis de lois qui égalisent les traitements pour tout le monde, dans les faits, ça, c'est pas toujours comme ça. Ce qu'on observe, c'est que pour toutes sortes de raisons, qu'on appelle des raisons systémiques, sur lesquelles individuellement, moi j'ai pas de contrôle, mais collectivement, on y est pour quelque chose, bien, il y a encore des traitements inégaux. C'est ce qui va faire, par exemple, que dans la programmation d'un festival, oups, sans s'en rendre compte, il va y avoir plus d'hommes programmés que de femmes. Puis là, je te parle à peu près de tous les festivals, pas juste les festivals de cinéma. Puis là, quand on en prend conscience qu'on peut agir en conséquence, puis qu'on peut renverser la vapeur en faisant des efforts supplémentaires, puis en faisant preuve surtout d'ouverture, puis d'intérêt envers ce que les femmes ont à offrir.